En plus d'être un projet profondément sexiste, AVS 21 s'attaque à l'ensemble de la classe ouvrière. D'abord 65 ans pour les femmes, puis 67 ans pour tout le monde. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler moins, produire moins pour vivre mieux. On veut baisser l'âge de la retraite pour tout le monde. L'augmentation de l'âge de la retraite des femmes a déjà été refusée à 2 reprises en votation populaire. Ça n'a pas changé. La retraite à 65 ans, c'est toujours non. Les métiers considérés comme féminins sont encore sous-valorisés et sous-payés. En fin de carrière, les femmes se retrouvent souvent au chômage de longue durée ou alors elles doivent s'arrêter plus tôt en raison de conditions de travail trop pénibles. Tout le monde est concerné par cette réforme, aussi les jeunes. Le 25 septembre, il faut absolument dire non à AVS 21.